Voici donc le 92, une fille de maîtresse de maison par caractère. On retrouve cette première génération du jeune étalon Fidel Chaparral, double gagnant de groupe, notamment lauréat du prix du Prince d'Orange. Remarquablement bien née, cette pouliche, puisque c'est une sœur de tir au but, lauréat du prix Léon Olry Roederer. L'une de ses 10 victoires, une en plein neuf en obstacle. 784 000 euros de gains pour tir au but, le frère aîné donc que c'est de cette fille de caractère. On va voir marcher, puis après on va la reposer, on va la trotter, on va la reposer. Marcher. Allez, en mouvement. Pour cette foule née, je ne l'ai pas dit, le 7 avril. Si vous voulez coller à droite, s'il vous plaît, la barrière à droite. À droite. Alors, quelques informations. Nous allons aussi avoir un changement de position pour le 80, mais aîné non pas le 5 mars, mais le 5 mai. Le 80 va passer dans la deuxième section, celle des foules les plus jeunes. Donc, chez Guillaume Garçon et François Lemaire. On va trotter ? Quelques absents. Élongez bien la barrière, s'il vous plaît. Quelques absents. Dans la deuxième section, nous avons comme absent le 67. Et le 93, le 67 et le 93 sont absents. Pour la première section, donc le 80 passe dans la deuxième section, ça je viens de vous le dire. Et nous aurons déploré l'absence des 71, 74 et 84. 71, 74 et 84.